Le 23 janvier 2019 au CRIL a eu lieu le vernissage de l'exposition Art et Santé, puis au Théâtre de la Baleine à Onet-le-Château, en soirée, une conférence sur Art et Santé. Le comité de sensibilisation pour le dépistage des cancers a travaillé en 2017 et 2018 sur une action intitulée Handicap, Art et Dépistage des cancers. L'enjeu était l'information sur la prévention et le dépistage des cancers des personnes en situation de handicap, avec pour aboutissement la réalisation d'œuvres collectives ou individuelles. Cette manifestation vient en conclusion et en point d'orgue de ces 2 années consacrées à la rencontre avec plus de 300 salariés des établissements adultes handicapés de l'Aveyron, 30 personnes en situation de handicap et leurs proches, et toutes les institutions chargées de ces sujets. À 17h a eu lieu le vernissage de l'exposition d'œuvres. Plus d'une trentaine de peintures, dessins, sculptures, céramiques sont présentées au public. L'ensemble de ces réalisations ont été conçues par les résidents ou patients d'établissements médico-sociaux de l'Aveyron et des particuliers en situation de handicap. À 18h, une conférence animée par Olivier Camas, journaliste, avec la présence de Madame Anne-Marie Cazadé du Centre Régional Culture et Handicap, Madame Marie Lelièvre, psychologue, Madame Nathalie Andrieux et Monsieur Gérard Marty, artiste aveyronnais, pour témoigner et partager avec le public sur l'art comme outil d'expression dans la prévention, santé et la thérapie. Cela nous montre combien l'art est un mode de thérapie pour nous tous, dans notre quotidien, quelles que soient nos différences, nos fragilités et nos histoires de vie.